Eagle Flight. Apparemment, les locaux d'Eagle Flight sont pas longs. Donc, certainement, en avoir d'autres. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ce magnifique trou. Alors, on a décidé de faire le trou du propriétaire. Ah, le raconter, Mio. Now you may go. Okay. Oh, you can see the magnificent Eagle Flight focus. Hello. That's one there. Right about it. Et oui, les entreprises membres de la Scientologie fournissent une grosse partie de leurs bénéfices. Soi-disant société que l'on appelle Eagle Flight, qui s'amuse à faire par exemple de magnifiques petits entretiens avec des entreprises comme France Télécom ou la RATP, mais aussi des entreprises privées. Ces entreprises reçoivent soi-disant des cours en management et en réalité, ils reçoivent des cours de scientologie. Ah bon? Eh oui! C'est la vie! Est une partie d'une secte que l'on appelle la scientologie. Ah, wow. Oui. Oui. Vous voulez me signer votre contrat? Allô. Et vous? Oui, attention. Hey, it's dangerous. Anonymous, come over here, come over here. Ah, il y a pas d'eau. Stand here. Sir! Fucking bastard! You're a fucking bastard yourself too! Come on there! I'm a bastard, but you're a criminal! You're not a Scientologist, okay, no problem! Rien du tout! Okay, no problem! Hey, get the fuck out of here! Yeah, sure, we do that! Fucking bastard! Oh! Come on, come on! This is violence! You see the German? Come on, let's go. Oh, my. We'll keep in touch. It's all coming. Whoa. Wow, Jesus, come on. We go to the police now. On va à la police maintenant, on va montrer. T'as vu? Jesus. Attends, il y a la mairie ici. Ah, oh, la mairie? Yeah. La mairie? Yeah. Oh. Okay, you... Okay. Alors, comme vous venez de le voir sur cette image, un méchant chaperon a tenté de nous agresser en nous lançant une pince au visage. Mais également en nous coursant sur plus de 200 mètres pour nous frotter et nous arracher des éventuels objets avec lesquels nous aurions pu filmer. On peut donc constater que les scientologues sont de véritables criminels qui n'ont pas peur d'assassiner les gens avec toutes sortes d'objets, tout ce qui leur tombe par la main. Ils ne sont donc pas capables de se contrôler. Juste à côté des locaux de la ville. Il est venu attaquer l'un des nôtres. Au pied même de la mairie, et vous l'avez bien pour le faire. Et c'est pas toi qui attaque des gens au pied des mairies, hein? Merci.